Karim Duval, humoriste. J'étais ingénieur avant, donc ingénieur, humoriste, un parcours, ma foi, classique. Tercic, je trouve ça super. Je trouve ça génial que des collégiens, lycéens, et plus même, puissent se transformer en réalisateur. Là, on parle pas de cours à donner aux élèves, mais c'est vraiment un travail de réalisation, de A à Z. Je trouve que prendre l'initiative d'aller réaliser une vidéo en contactant des gens, des fois en se déplaçant sur le terrain, en imaginant une manière originale de transmettre une info soi-même, je trouve que c'est top, quoi. C'est déjà gagné. Après, si en plus tu fais des vues grâce à ta vidéo, c'est encore mieux. Et ouais, clairement, on est dans le futur plutôt que le passé, quoi. Si on doit se situer sur une frise, je pense qu'on est plus dans les années 2000 beaucoup. Et on parle de ce besoin de consommer du contenu web, d'apprendre beaucoup par des formes vidéo parce que c'est pratique, parce que ça va vite, parce qu'on a besoin de plus en plus d'être surpris. Étant donné qu'on consomme de plus en plus de contenu, ben on veut de plus en plus de choses inédites qui nous surprennent pour assimiler de l'info, ce qui est dingue, hein, parce que finalement la connaissance elle est ce qu'elle est, l'information elle est ce qu'elle est, mais voilà, c'est vrai que j'ai l'impression que ceux qu'on appelle les jeunes, j'aime pas dire ça, moi aussi j'aime bien, et bien on aime bien des formes un peu nouvelles. Quand c'est les élèves qui prennent le pouvoir, on est dans quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus impactant. En termes d'information, donc ça, bien sûr. C'est un tercycle, j'ai envie de vous dire, si on vous propose de faire des vidéos, allez-y, parce que déjà vous avez des profs, et j'espère de plus en plus de profs qui sont prêts à donner de leur temps pour miser sur des formes d'apprentissage différentes. Et sachez que les personnes qui vont voir les vidéos, comme les personnes qui vont les faire, vont apprendre. La personne qui apprendra le plus, c'est clairement celle qui va faire la vidéo. Ça, c'est certain. Même si elle a déjà l'information, je pense qu'elle va la digérer d'une deuxième manière en faisant la vidéo et en ayant le temps de, voilà, étape par étape, construire ce truc-là qu'on appelle, voilà, un film. Mais allez-y, lancez-vous, demandez-vous ce qui vous intéresse, n'importe quoi, et faites une vidéo pour Intercycle. Je trouve ça super parce que ça va peut-être donner des idées à l'éducation nationale, à des institutions plus, on va dire, plus officielles de suivre ce joli projet. Ça va donner aussi envie aux profs de s'y intéresser de plus près. Ce serait bien qu'il y en ait 1, 2, 3 par bahut et que petit à petit on favorise ce format-là. Tout ça, c'est vraiment un travail d'équipe, et pourquoi ne pas inclure les élèves dans l'équipe ?